Brunois, la jeunesse est une priorité. Aide au Parcoursup, formule job d'été, soirée de la réussite, forum emploi, autant d'actions mises en place par la ville pour offrir des opportunités aux jeunes, les mettre sur le chemin de l'insertion et de l'autonomie, valoriser leurs résultats. La mise en place de la bourse à l'autonomie pour aider les jeunes à réaliser leurs projets de mission solidaire en est un exemple. Je m'appelle Maïté Rodriguez, je suis urbaniste. Je suis partie en Asie du Sud-Est, au Vietnam et au Cambodge, avec une amie pendant 2 mois. L'objectif de ce voyage, de ce projet, c'était de connaître nos réelles aspirations en urbanisme et connaître le contexte social, économique, urbain des grandes villes de là-bas. Et on a rencontré énormément de personnes qui avaient des initiatives sur l'amélioration de l'espace public, des ateliers pour montrer vraiment qu'il fallait utiliser cet espace urbain. Bonjour, moi c'est Eva Mao, en école de management de la Sorbonne. J'ai participé au projet Sénégal 2017-2018 sous la tutelle de l'école Saint-Pierre. On était donc 10 jeunes encadrés par 4 adultes. Le premier objectif du voyage était de faire 3 chantiers en collaboration avec l'AGIO sénégalaise, donc l'association Jeunesse Environnement, qui était donc un projet avec des jeunes Sénégalais qui étaient aussi bénévoles, avec qui on partageait le quotidien pendant à peu près 3 semaines. Et c'était 3 chantiers qui étaient dans le petit village de Soukouta. Et nous avons fait un pré-ponton, la rénovation d'un pré-ponton, le sol d'une classe et la rénovation du sol de la radio locale, qui était aussi l'antenne internet du village. Moi, je m'appelle Gwenaëlle, je suis en deuxième année de licence en psychologie à Nanterre. Val-Raphaël, je suis en licence sciences d'éducation aussi à Nanterre. L'été dernier, on est parti à 4, c'est-à-dire avec 2 coéquipières, scouts, compagnons comme nous, 2 Brunois. On est parti toutes les 4 au Togo, faire différentes missions. On est parti pour un projet de solidarité internationale. On a rencontré l'association JVSI. Sur 3 semaines, on était avec eux dans un petit village. Et on a fait de l'alphabétisation avec les femmes du village, de l'animation avec les enfants et de la prévention VIH dans les familles du village. La dernière semaine, vu qu'on est scout, on a cherché à rencontrer des scouts de là-bas. Donc on a fait une semaine de camp scout avec eux pour pouvoir voir les différences interculturelles et vraiment vivre le scoutisme togolais. Brunois a su pour mon projet tout simplement parce que je cherchais des ordinateurs pour pouvoir faire le montage de ma vidéo. Et donc on m'a demandé de monter un dossier où j'ai parlé de mon budget, par exemple le transport, l'hébergement. Et j'ai aussi dû faire une lettre de motivation pour montrer pourquoi je voulais faire ce projet, en quoi ça me tenait vraiment à cœur. Notre projet, nous l'avons monté premièrement grâce à une plaquette que nous avons faite avec notre budget prévisionnel, l'explication de notre projet, de la présentation de l'AGIE et du groupe. Nous l'avons présenté à différents sponsors, tels que la mairie de Brunois, qui nous ont permis de financer une bonne partie de notre association. On a fait beaucoup d'estrajobs à Brunois, ce qui fait qu'il y a beaucoup de Brunoyens qui nous ont soutenus, différentes manières. Et la mairie de Brunois soutient les compagnons de Brunois depuis plusieurs années. Donc on a l'habitude de préparer un dossier, de leur envoyer, d'avoir un rendez-vous avec eux. Et voilà.